Salut les Vert4 Players, c'est l'heure des News en vrac, l'émission qui vous propose un résumé de tout ce qu'il ne fallait pas louper sur l'actualité PSVR et VR dans la semaine du 8 au 15 avril. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Au sommaire de cette émission, une mauvaise nouvelle du côté de Inxile Entertainment, une version de Redemption's Guild compromise sur PSVR, Straylight, un voyage galactique sous amphétamine, un jeu à surveiller, Martha is Dead, Wondered dévoile sa bande-annonce officielle, et on termine avec un petit jeu de qui est-ce plutôt intéressant. Il est possible que vous voyez passer des chiffres et des lettres dans le coin supérieur gauche de cette vidéo, alors mettez-les bout à bout et foncez sur votre PlayStation pour entrer le code. Le plus rapide sera le gagnant du jeu. Allez, on blablate, mais c'est pas tout ça, c'est parti pour cette nouvelle émission des News en vrac. Le 10 novembre 2018, lors du XO18, Matt Booty annonçait le rachat de Inxile Entertainment, rattaché à la branche Xbox Game Studio. Le discours marketing de Microsoft était le suivant en parlant du studio Inxile. Ils continueront à fonctionner de manière autonome avec leur talent, leur propriété intellectuelle et leur expertise unique, tout en ayant le soutien et la liberté nécessaires pour réaliser pleinement leur ambition créative. Le dernier jeu VR de Inxile Entertainment, Frostpoint VR, était un jeu massivement multijoueur dans l'esprit de Farpoint mais axé multi et édité par Thursverse. Le titre n'a pas vraiment reçu un très bon accueil dès son lancement sur Steam, mais il n'a pas non plus été vraiment soutenu par son studio. Frostpoint VR a été lancé le 1er décembre 2020, soit il y a 4 mois et demi. On a appris cette semaine via une mise à jour de sa page Steam que les serveurs de Frostpoint VR seront définitivement fermés à partir du 9 mai 2021. Il semblerait logique que faisant aujourd'hui partie des Xbox Game Studios, le studio Inxile Entertainment ne se concentre plus que sur du contenu pour alimenter le Game Pass. On verra bien si cela se confirme par la suite, mais le studio semble avoir stoppé précipitamment le développement de son jeu Frostpoint. Des serveurs qui restent ouverts 4 mois et demi, c'est plutôt pas courant. À suivre. Autre mauvaise nouvelle, Redemption Guild du studio Unlead Games était annoncé comme l'un des premiers MMORPG VR mettant l'accent sur les combats mais aussi l'évolution des personnages. Unlead Games a décidé de prendre la parole concernant la version PSVR cette semaine et voilà ce qu'il a déclaré. Nous avons quelques inquiétudes quant au lancement du jeu sur PSVR PS4. Les spécifications matérielles nécessaires pour atteindre un 90 FPS cohérent, nécessaire pour la réalité virtuelle, sont suffisamment solides sur PC, mais semblent extrêmement difficiles compte tenu des spécifications matérielles du PSVR. Nous ne disons pas que Redemption Guild ne sortira pas sur PSVR, mais nous craignons que l'expérience que vous aurez sur le PSVR soit extrêmement dégradée, et ce n'est pas ce que nous voulons offrir à nos fans. Nous n'aurons pas de détails solides sur l'état du lancement d'un PSVR avant l'année prochaine, lorsque le jeu sera lancé sur PCVR. Nous présentons nos sincères excuses à la communauté PSVR. Pour finir, le développeur propose de rembourser les joueurs qui ont déjà commandé le jeu sur PSVR. Le petit studio de 5 développeurs, Dr. Block, vient d'officialiser la sortie prochaine de son jeu Straylight sur PlayStation VR, un titre un peu psychédélique enchaînant les niveaux dans l'espace dans lesquels vous devez vous déplacer, comme Tarzan, de point d'accroche en point d'accroche à l'aide de lianes laser, un peu comme dans Jupiter Grade. Explorez et cassez-vous les dents sur des mondes de plus en plus difficiles construits en VR pour la VR et ne pouvant vraiment être expérimentés qu'avec cette nouvelle technologie. Il y a de la beauté dans cet univers, mais méfiez-vous, même les belles choses peuvent être mortelles. Des monolithes anciens attendent dans les profondeurs, entourés de beaux obstacles tournants, et vos seules armes pour les conquérir seront votre volonté et votre détermination. Vous naviguerez autour d'artefacts massifs et à travers des arènes hallucinantes, peu importe combien de fois vous devez mourir. Un petit jeu donc, à suivre. Martha is Dead faisait partie des jeux annoncés lors du Wired Direct le 29 mars. Martha is Dead est un thriller psychologique sombre combinant des tons inquiétants et oniriques avec un mélange d'histoire, de superstition et de détresse psychologique. Développé par le studio LKA, Martha is Dead devait être un jeu exclusif au départ à la Xbox Series X. Mais le jeu est officiellement porté également sur PS5. Après avoir visionné plusieurs fois le trailer magnifique du jeu, nous n'avons bien évidemment pas pu nous empêcher de demander au studio si Martha is Dead aurait ses chances en VR. Et voici la première réponse qu'il nous avait donnée. Cette question est très fréquente, on nous la pose souvent et nous allons en parler très bientôt. Il est vrai que cette question est régulièrement posée au studio ou à l'éditeur. Hashim de Wired Production a d'ailleurs donné une nouvelle réponse à cette question le 7 avril.
Sérieusement, je n'ai pas l'intention de promettre quoi que ce soit, mais je ne veux pas non plus dire non. Cependant, si nous prenons en charge la VR, nous le ferons certainement de la bonne manière, c'est-à-dire que les commandes seront adaptées à la meilleure expérience VR possible. Il faut que le jeu et les sensations soient parfaits, c'est certain. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Martha is Dead est un jeu à surveiller de près. Wanderer est un tout nouveau jeu développé en partenariat entre les studios néo-zélandais Hot Boy et M-Theory. On vous en parlait la semaine dernière, et ça y est, le studio vient de publier le trailer officiel ainsi que pas mal de bonnes informations à son sujet. Le titre est attendu sur PlayStation 4 et PSVR au troisième trimestre 2021. Nous sommes en 2061, le monde tel que nous le connaissions est en ruine. Mais que se passerait-il s'il y avait un moyen de réécrire les événements du passé et de remodeler l'avenir? L'histoire n'est plus derrière vous, mais devant vous. Marchez sur les traces de ceux qui vous ont précédés, explorez les âges et les événements perdus depuis longtemps entre les mains du temps, alors que vous vous retrouvez plongé, la tête la première, dans certains des événements les plus mémorables de l'humanité, dans une aventure pas comme les autres. Wanderer combine un mélange d'énigmes de style escape room et des séquences d'action pratiques qui vous permettront de rassembler des objets et des événements de différentes périodes. Le jeu proposera à la fois des déplacements par téléportation mais aussi des déplacements libres et se jouera au PS Move. Le titre semble particulièrement ambitieux et très joli pour un jeu PS4. Nous sommes donc très pressés d'y mettre la main dessus. Pour le moment, le studio ne souhaite pas communiquer sur une éventuelle compatibilité du jeu sur PS5 et PSVR 2. Et voilà, c'est tout. La semaine n'a pas été très violente en nouvelles fraîches. Alors pour compléter un peu l'émission, je vous propose que l'on fasse un petit jeu de qui est-ce. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est une fille, un garçon, il est vieux, non non non. Des lunettes, pas de barbe, le crâne rond. C'est Jean. Oui. Trouve le personnage mystère et gagne la partie. Avec qui est-ce? Allez, c'est parti pour un qui est-ce. Et on vous plante le décor. En avril 2019, le studio FireSprite postait une offre d'emploi. Ils cherchaient à l'époque des modeleurs 3D expérimentés afin qu'ils travaillent sur tout un tas de projets et qu'ils les aident à transformer un action RPG mondialement connu et vendu à plusieurs millions d'exemplaires en jeu PlayStation VR complet, donc un portage. En février 2021, une nouvelle offre d'emploi attirait notre attention et voilà ce qu'elle disait mot pour mot. Nous recherchons un programmeur de graphisme rendu pour aider à la livraison d'un projet d'action et d'aventure en réalité virtuelle adapté de l'un des titres IP de consoles les plus originaux et les plus vendus au cours des 10 dernières années. Il s'agit d'un projet exceptionnellement passionnant en partenariat avec le titulaire de la propriété intellectuelle pour créer un tout nouveau chapitre dans l'univers passionnant et très original qu'ils ont établi. Cette offre d'emploi est toujours en ligne, sauf qu'elle a été sensiblement modifiée et tronquée de ses précisions aujourd'hui. Et l'on ne peut lire plus que... Nous recherchons un programmeur principal de graphisme rendu pour aider à la livraison d'un titre d'aventure d'action VR à succès. Il s'agit d'un projet exceptionnellement passionnant, utilisant toutes les capacités immersives de la réalité virtuelle pour créer une expérience de jeu passionnante. Alors déjà, si cette mention a été corrigée, c'est bien qu'il devait en avoir trop dit, vous trouvez pas? Quelqu'un a dû se faire taper sur les doigts, on dirait. S'il n'y a pas de problème, en général, on ne change rien. Bref, on fait entrer les candidats potentiels. Et on commence avec l'un des titres IP console les plus originaux. Ce qui est subjectif, mais surtout l'une des franchises les plus vendues au cours des 10 dernières années. Pour cela, on fait un petit tour sur Wikipédia et on trouve les ventes, mais surtout les licences les plus vendues de ces 10 dernières années. Et voici les 32 candidats potentiels. Si le studio FireSprite ne s'est pas trop emballé, notre jeu AAA VR se trouve sur cette liste. Alors déjà, l'annonce d'avril 2019 parlait d'un action RPG. On va de suite pouvoir supprimer tous les Call of Duty qui sont des FPS et FIFA. Qui est un jeu de sport. Idem pour Battlefield, on supprime aussi Battlefront de cette sélection pour les mêmes raisons. On peut également supprimer The Witcher 3, quand on voit comment CD Projekt Red traite la VR, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit de ce studio. Resident Evil 8 Village, qui, s'il est en VR, sera certainement développé directement par Capcom et non sous-traité. Idem pour Destiny qui est un FPS, Assassin's Creed qui ne sera pas sous-traité non plus, et Detroit Become Human qui est plutôt un point and click et pas un RPG. Fallout 4 existe déjà en VR, donc aucun besoin du studio FireSprite pour ce jeu. Enfin, on supprime aussi Gran Turismo qui est un jeu de course automobile. On va aussi supprimer la licence Deus Ex qui n'a pas vraiment brillé ces 10 dernières années, Ghost of Tsushima qui n'est pas une franchise, et Metal Gear Solid qui est aussi une licence qui est bien plus vieille que 10 ans. A partir de là, ça devient déjà plus compliqué. Le studio FireSprite n'est pas un studio indépendant comme les autres. Ce studio créé en 2013 se compose à l'origine d'une très grande partie des développeurs du studio Liverpool, fermé par Sony.
FireSprite est un studio classifié comme une XDev Team, ce qui veut dire que c'est un studio indépendant affilié à Sony. Le studio a travaillé jusqu'à présent sur des titres comme The Playroom sur PS4, Run Sackboy Run, The Playroom VR et plus récemment sur l'excellent The Persistence VR. Cela n'empêche cependant pas le studio FireSprite de travailler en partenariat avec d'autres studios que ceux de Sony. Il collabore par exemple depuis 2019 avec le studio Cloud Imperium Games et vient d'annoncer publiquement sa collaboration sur le prochain mode multijoueur de Star Citizen. Il y a donc plus de probabilités pour que son projet en cours soit en lien avec un studio PlayStation, mais cela peut être aussi une commande d'un studio totalement externe mais sous bon rapport avec Sony. Une franchise qui a pu faire un carton durant ces 10 dernières années, donc entre 2010 et 2020. Spider-Man n'est pas vraiment une franchise. Final Fantasy cartonne, mais depuis bien plus de 10 années. Le premier Mass Effect date de 2007, mais ses titres étaient plutôt réservés à la base aux Xbox et aux PC. Le premier God of War date de 2005 et le premier Ratchet & Clank de 2002. On doit certainement chercher une franchise plus récente. Horizon Zero Dawn est sorti en 2017. On ne peut pas vraiment parler ici d'un titre vieux de 10 ans. Mais ces offres d'emploi réclament un programmeur principal de rendu et l'offre demande en première condition une exposition aux composants internes du pipeline du rendu Unreal Engine 4, le moteur graphique d'Epic Games. Mais Naughty Dog utilise son propre moteur, le Naughty Dog Game Engine, pour ses jeux The Last of Us et les Uncharted. Red Dead Redemption et GTA, pourquoi pas? Mais Rockstar utilise lui aussi son propre moteur Rage, Rockstar Advanced Game Engine. De plus, GTA n'est pas une licence qui a connu le succès que depuis 10 ans non plus, sans parler que Rockstar a déjà fait sous-traiter un de ses jeux en VR, L.A. Noire, mais par le studio australien Video Games Deluxe, et ce studio a confirmé par l'intermédiaire d'une publication officielle sur LinkedIn qu'il retravaillait avec Rockstar en 2020. Infamous n'est pas non plus développé sous Unreal Engine, il repose sur le moteur graphique Havok. Changer de moteur en cours de route n'est pas la chose la plus rapide et facile, surtout sur un jeu complet. Bloodborne ne tourne pas non plus sous Unreal. Borderlands 2 VR a été développé par Gearbox et ils en sont plutôt bien tirés seuls, sans l'aide d'un studio en sous-traitance. Le gagnant de notre petit jeu, qui est-ce, serait donc ici un jeu complet tiré de la franchise Batman Arkham de Rocksteady. Bien entendu, il y a bien trop de facteurs pour affirmer quoi que ce soit. Il est possible que le choix soit fait de convertir un jeu d'un autre moteur sous Unreal Engine. Dans ce cas, le résultat pourrait être bien différent. Mais bon, je tiens quand même à vous rappeler que le PlayStation VR représentait une première entrée de Sony sur le marché de la VR. The Playroom VR intégrait une expérience Robots Rescue qui est devenue par la suite Astrobot Rescue Mission. VR World de London Studio intégrait The London Heist, une expérience qui s'est transformée en Blood and Truth. Battlefront X-Wing VR Mission du studio Criterion Electronic Arts s'est lui aussi transformé en vrai jeu Squadrons. De la même manière, il pourrait être intéressant pour Rocksteady d'amortir sa franchise des Batman Arkham en VR en développant une version VR plus poussée après son expérience Batman de 2016. Le prochain titre attendu sera Suicide Squad Kill the Justice League, un titre dans l'univers Arkham attendu pour 2022. Le premier opus, Batman Arkham Asylum, est sorti en 2009 et s'est vendu à 3,24 millions d'exemplaires. Le second Batman, Arkham City, est sorti en 2011 et s'est vendu à 12 millions d'exemplaires. Puis a suivi Batman Arkham Origins en 2013 et enfin Batman Arkham Knight en 2015, vendu à 5 millions d'exemplaires. La saga jeux vidéo des Batman correspond bien au genre action RPG et pourrait bien être cette franchise en partenariat avec le titulaire de la licence, Rocksteady. On vous rappelle que le studio Rocksteady se trouve à Londres et que le studio FireSprite est à Liverpool, ce qui peut être pratique pour une collaboration. Une chose est sûre, tous ces développeurs et designers se connaissent entre eux, la plupart sont passés par des studios comme Rocksteady, Studio Liverpool, FireSprite ou Cloud Imperium Games, en Angleterre, entre Liverpool, Manchester ou Londres. On n'est sûr de rien, mais en l'absence de plus d'infos en ce moment, ça fait du bien d'imaginer ce qui nous attend sur PS5 et PSVR 2. On a peut-être oublié de parler de Killzone, mais le moteur du dernier opus, c'était Decima, le même moteur que Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games, les anciens Killzone tournés sous Havok, et le site officiel de Killzone vient d'être fermé, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour la franchise. Bon, bref, on verra bien. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour cette semaine. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous glisser un petit pourboire sur notre page Tipeee. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo et dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine, bis à vous et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao.